Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, je vais lire avec toi un texte qui compare notre vie à une randonnée. Et alors, si tu es fan de randonnée, tu vas vraiment aimer ce post-it. Le texte se trouve en Psaume, chapitre 37 et le verset 23 jusqu'à 24. Il nous dit comme ça. Par le Seigneur, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car le Seigneur soutient sa main. Alors, c'est vrai que faire une randonnée, c'est toujours cool pour les choses qu'on va vivre, pour la nature qu'on va voir, aussi pour les chemins, les paysages, tout ça c'est excellent. C'est très difficile de faire une randonnée, en tout cas de prendre plaisir à une randonnée, si nos jambes sont complètement fatiguées. C'est difficile, parce que même si on passe par des belles endroits, avec des beaux paysages et tout ça, on n'arrive pas à sortir de notre problème et de voir toute cette beauté qui est autour. Donc, si en plus, on est dans une randonnée avec les jambes fatiguées et on tombe constamment, alors là, c'est sûr qu'on n'a aucun plaisir. Première chose que j'aimerais te dire, c'est que notre vie peut être justement comparée à une randonnée. Une randonnée qu'on fait avec le Seigneur. Plus le Seigneur nous accompagne, plus on a de plaisir. Moins le Seigneur nous accompagne, moins on a de plaisir. Et alors, si le Seigneur il est pas de tout, c'est sûr qu'on a aucun plaisir dans la randonnée. Il y a les jambes qui nous pèsent, on tombe constamment et c'est pas cool de passer cette randonnée. Mais peut-être quelqu'un en train de m'écouter me dit « Oui Samuel, mais tu pars du principe alors que c'est quelqu'un qui marche sans le Seigneur, il peut pas avoir de plaisir. Bah, » moi je connais plein de personnes qui n'ont pas le Seigneur et qui ont un grand plaisir. Alors moi je pense que tout ça c'est une question de perspective. Permets-moi de te donner un exemple. Moi je vis en Europe et comme quelqu'un qui vit en Europe, moi, je fais partie des personnes plus riches qui existent au monde. Mais bien sûr, si je compare ma vie avec Elon Musk ou un autre milliardaire, bien sûr que je suis archi pauvre. Tout ça est une question de perspective. Quelqu'un peut avoir du plaisir sans le Seigneur, mais en fait, cette personne ne sait pas ce qu'elle est en train de rater. Parce que si elle est déjà heureuse sans le Seigneur, si le Seigneur serait dans sa vie, elle allait trouver un plaisir qu'elle ne connaît pas encore aujourd'hui. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est par rapport à cette dernière partie du texte qui nous dit que s'il tombe, il n'est pas terrassé car le Seigneur soutient sa main. C'est très intéressant parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans une randonnée. Ça peut arriver, ça arrive même très souvent. Mais le texte nous dit que même si on tombe, on ne sera pas terrassé. Le texte dit presque comme ça, tomber, oui, on va tous tomber. Mais être terrassé, ça c'est un choix. Si on est avec le Seigneur, on a la certitude de jamais rester par terre. Moi, je m'appelle Samuel Cugna et c'était le post-it d'aujourd'hui.